J'aimerais tout d'abord remercier l'ensemble des travailleurs qui nous permettent d'affronter cette crise. Et je voudrais évoquer les personnes quelque peu oubliées durant cette crise. Les étudiants, par exemple. Nombreux se retrouvent dans une situation délicate. Ils sont dans l'incapacité de travailler et se retrouvent sans revenus. Ils n'ont pas droit aux allocations de chômage alors que leurs cotes, leurs cours, leur nourriture doivent toujours être payés. Les parents doivent également parfois faire face à une situation difficile. Ils doivent assurer la prise en charge de leurs enfants tout en continuant à travailler. La société civile vous a interpellé sur le sujet. Au PS, nous plaidons pour l'instauration d'un congé parental spécifique coronavirus. Madame la ministre, quelle est la position du gouvernement sur ce sujet? Prévoyez-vous quelque chose pour aider les familles?